Essaye, 1, 2. Très bien. Un dictaphone qui va prendre aussi les sons. Hein. Donc, moi j'appelle avant de démarrer et d'allumer la Ghostbox, ces entités ou ces énergies, de prendre mon canal médiumnique pour nous rejoindre dans la pièce. On veut simplement avoir une réponse aux questions que tu te poses. Tout à fait. À savoir, y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui habite ces lieux? Et peut-être aussi pouvoir apporter à tes parents une réponse par rapport à ce qu'ils ont pu vivre avec tes amis, Tout à fait. puisque c'est la raison de ton appel au secours, quelque part, que tu nous as fait en nous envoyant un mail pour qu'on vienne ici dans le Cher, dans cette maison qui est atypique. Tout à fait, et puis au moins qu'on Donc puisse je remercie parler. déjà les entités qui sont là, si elles veulent bien. Je sais qu'elle nous observe depuis tout à l'heure, puisqu'on a eu déjà quelques petites choses étranges qui sont apparues. Si elles veulent bien communiquer avec nous et tout simplement nous donner un message, ben, vous avez tout à votre disposition, cette technologie. Vous pouvez agir sur le K2. Et puis, vous voyez la petite lumière verte qui est là devant moi. Ben, si vous êtes là avec nous, ben, n'hésitez pas. Faites-la osciller, aller dans le rouge, par exemple, quand vous voulez. Et tout simplement, on comprendra que vous êtes venu nous rejoindre dans la pièce. Ce qui est étrange, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un en haut. Alors, s'il y a quelqu'un en haut, ben, descendez. Alors, ce qui est bien aussi, j'ai oublié de le dire, on va essayer de laisser quelques secondes entre les questions, des trous, hein, pour laisser à l'esprit le temps de nous De nous répondre. répondre. Hein? Je vais allumer la Ghost Box. C'est un balayage de fréquences. Ils ont cette capacité d'utiliser ces fréquences pour nous parler. Peut-être c'est une voix que tu vas reconnaître. Peut-être. Dans ce cas-là, bon, on verra à ce moment-là. Donc si vous êtes d'accord, je l'allume. Et on tente ce premier contact. Ça va? Température, juste un dernier relevé avant le démarrage. Entre 7 et 8 degrés, 6 degrés. Donc dès Et ce que que je trouve étrange, j'étais au-dessus de la lampe, on a plus de il fait chaleur. jour entre 12 et 13. D'accord. On est aussi dans un rayon de laser qui peut avoir des variations. On verra bien si quelque chose est filmé. En tout cas, en bas, ils observent. Je vais mettre en route la Ghost Box. Ça D'accord? marche. Et on va demander à Kim de faire un appel. Ça va? Balayage sur la Ghost Box. On reste à l'affût. Hein. Alors moi je m'appelle Kim et j'aimerais savoir dans cette pièce éventuellement et parler des personnes susceptibles de me répondre, soit par un prénom ou éventuellement se manifester. Alors si vous êtes présent, manifestez-vous. Ça Oui, dit moi c'est quoi? Kim et Ça dit entendu oui? mon prénom. Vous Sans pouvez. avoir entendu Kim, je ne Kim ou oui? suis pas Vous pouvez certaine. répéter s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner un prénom? On va peut-être déjà remercier si on a quelque Bon, je vous chose. remercie de m'avoir entendu Hein? et j'aimerais savoir si vous pouvez me donner un prénom ou vous manifester dans cette pièce. Est-ce que c'est un homme ou une femme qui est ici? Vous êtes un homme? Est-ce qu'il y a un homme dans cette maison? Pardon? Ben nous, on est des traqueurs. Allô? Je voudrais rentrer en contact avec vous là. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, agir sur les K2 pour nous donner le feu vert pour le dialogue? Vous voyez les lumières vertes là, sur le lit? Vous pouvez agir dessus. Utilisez mon canal.
Donnez-nous un feu vert. Faites monter cette lumière dans le rouge ou l'orange. Manifestez votre présence dans cette pièce. Donnez-nous un prénom. Je vais peut-être poser la question, est-ce qu'on a un homme dans cette pièce ou une femme? On a besoin d'apporter une réponse à Cyprien. Hello. Hello. Vous avez entendu? Hello. Allô? Pas hello. Une femme ou un homme? Je répète, est-ce que vous voulez communiquer avec nous? On n'est pas là pour vous embêter, on veut comprendre pourquoi vous êtes ici enfermé. Avez-vous un rapport avec le crâne qu'on a trouvé près de la maison? Si oui, agissez sur les cadets. Vous pouvez le faire. C'était une femme? Est-ce que vous voulez qu'on vende cette maison? On s'en débarrasse. Je répète ma question. Est-ce qu'il y a un rapport avec le crâne qui a été trouvé près de la maison? Est-ce que c'est vous? Vous pouvez me donner une phrase claire, s'il vous plaît? Un prénom de femme ou un prénom d'homme. On est venu pour vous de loin, de Lorraine, pour comprendre ce qui se passe ici. Pardon ? Utilisez le canal de la Ghost Boss, Michel. Michel, c'est qui? Vous vous appelez Michel? Est-ce que vous vous appelez Michel? C'est une femme, non? On a entendu là. Est-ce que vous pouvez répéter? Allez-y, parlez. Maintenant. Ah tiens, quoi? On a une femme et un homme. Vous êtes deux, alors? Est-ce que vous êtes deux? Est-ce que vous êtes prisonnier de la maison? Et merci pour déjà ces premiers messages. Hein. Et oui, on a un dialogue de femme et un homme. Non, ne me laissez pas, attends, ne parle pas. Donnez-nous un prénom. Attends. Vous nous laissez pas là. Ils ont capté quelque chose de lumière au-dessus de nous qui est descendu sur les infrarouges à l'instant. Là, on va être en TCI, donc laissez-nous un petit peu de temps là avant de vous renvoyer des infos d'en bas. Notez les anomalies, hein. D'accord? Merci. Vous me laissez pas là, vous avez commencé à discuter, j'aimerais bien discuter, j'en veux savoir un peu plus. Michel, est-ce que c'est toi qui es là? Non, pas stop. Stop qu'il a dit, hein. Michel, c'est à la dame que je veux parler, pas à l'homme. Michel, est-ce que vous m'entendez? J'avais posé une question, est-ce que le crâne que les parents à Cyprien ont trouvé a un rapport avec votre présence dans cette maison?
Manifestez-vous si vous êtes là. Il tremble là. Ouais. Hein? C'est vous qui faites trembler le lit, vous pouvez essayer de le lever. Qu'est-ce que ça sursaute là, hein? Ouais. Les frissons plein le. C'est bizarre. Hein? Vous pouvez essayer de lever ce lit là. Vous pouvez le faire. J'ai comme des battements de cœur dans le lit. Moi je m'appelle Tim et vous, comment vous appelez s'il vous plaît? Donnez-nous un prénom. Manifestez-vous si vous êtes là. On vous voit aucun mal. Prenez mon énergie là, mon canal, venez vers moi. Michel, est-ce que tu es là? Apparaissez devant les caméras infrarouges. Cyprien, tu veux bien, non? Pardon? Moi, c'est la femme qui m'a appelé, celle que je pense qu'il faut... Interroger? Qu'il faut inviter plutôt à venir. On vous invite à venir, on veut pas vous déranger, là. On voudrait comprendre pourquoi... Pourquoi vous êtes prisonnier si on peut avoir une réponse, une phrase claire? Et je vous rappelle, vous avez les cadeaux là à votre disposition. Vous voyez la petite lumière verte qui est là? Il suffit tout simplement. Il suffit simplement de les faire monter dans le rouge. Est-ce que vous voulez faire monter cette lumière dans le rouge? S'il vous plaît. Cyprien, tu veux demander est-ce que le cadeau monte? Est-ce que vous pourriez faire monter la lumière verte sur la machine que Saint-Laurent? Essayez de faire bouger la lumière sans le cadeau. Faites-nous un signe. Vous savez comment je m'appelle? Vous devez le savoir. Puisque vous nous observez depuis tout à l'heure. Ça marche en haut. Allô? Oui, allô? Vous êtes là? On ne veut pas vous déranger, hein? On sait très bien que si vous voulez pas partir de la maison, on peut rien faire. On veut comprendre. Qu'est-ce qui vous retient prisonnier ici? Vous êtes mort par un incendie? Je répète ma question, est-ce que vous êtes mort pendant l'incendie du village? Non. Non. Non, hein. Non, là, non, là, le nom, il est clair. Ah, là, il est clair. Et c'est la femme qui est, ouais. Qui est là, hein. C'est une femme. Qui êtes-vous, alors? Merci, hein. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes mort pendant la destruction du village par la peste? Je répète ma question, est-ce que vous êtes décédé lors de la... Est-ce que vous êtes décédé pendant... Alors, ça tremble là-dessus. Ouais, j'ai le lit qui bouge. Ça me fait même peur, quoi. Quoi? Ça me fait peur, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ça... Bien, ça... Bien, bien, bien. Ben, on a l'impression que ça saute. Gros accours, ouais. Quoi, hein, Je répète, est-ce que vous êtes décédé pendant l'épidémie de peste?
dans le village. Christophe, vous avez entendu? Vous avez Christophe? Vous avez entendu? Christophe? Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? À chaque fois que je contacte des esprits, il faut qu'ils me disent Christophe. Est-ce que vous appelez Christophe? T'as vu quand ça tremble là? Ouais. Est-ce que c'est vous qui faites trembler le lit? C'est quoi ce bruit qu'on entend? Je répète ma question, vous n'êtes pas mort pendant l'incendie du village? Est-ce que c'est l'esprit de la personne qui est morte en tombant du pont derrière la maison qui est ici? Réaction sur les écrans. Je regarde les écrans. Comment vous appelez, Michel ou Christophe? Vous pouvez apparaître sur l'écran télé là. On a entendu le film, hein? Dis-moi c'est qui, mais vous, vous appelez comment? Je serais ravi de le savoir, je ne vous veux aucun mal là. Ah, la télé non. Oui, ça y est, on a une réaction. Dites-moi votre prénom, manifestez-vous. Vous voyez la technique, la télé là? D'accord. Je répète, a priori c'est une femme qui veut rentrer en contact avec nous là, hein, c'est ça? Michel, est-ce que c'est votre prénom? Est-ce que c'est vous qui faites bouger le lit? Manifestez-vous autrement? Est-ce que quelqu'un vous dérange dans la pièce? Est-ce qu'une personne vous dérange dans cette pièce? Pas trop, hein, t'as entendu. J'ai pas trop compris. Est-ce que quelqu'un vous dérange dans On cette pièce? On va réécouter quoi, tout à l'heure. Je répète, est-ce qu'il y a une personne qui vous dérange dans cette pièce? Utilisez le K2 maintenant, vous pouvez agir sur ce K2. C'est un faux lent comme ça prend. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur? On va faire 2 minutes de silence, on va vous laisser parler. Nous, on est venus pour vous parler. Vous pouvez nous rejoindre, vous voyez, il y a le lit là. Venez vous asseoir à côté de nous, là. Ou agissez sur le lit, je ne sais pas, faites bouger, tomber quelque chose dans la pièce. Montrez-nous que vous êtes là. Allez, vous pouvez le faire. Vous avez assez d'accessoires là. On va faire un silence. Réaction là sur l'écran. Matérialisez-vous sur l'écran s'il vous plaît. Michel? Oui. Deux quoi? Michel? Ta femme doit s'appeler Michel, hein? Ouais, il n'y a rien dans ta famille, quelqu'un qui est décédé qui s'appellerait Michel?
Michel, c'est vous qui êtes prisonnier de la maison? Est-ce que vous... Est-ce que vous êtes seul dans cette maison? Allez, manifestez-vous, s'il vous plaît, si vous êtes là. On est là pour comprendre, on voudrait bien savoir comment vous fonctionnez de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez donner un prénom d'une personne qui se trouve dans cette pièce? Maman? J'ai pas dit maman? C'est pas pour arrêter. Vous avez dit maman? Est-ce qu'on peut avoir un prénom d'une personne qui se trouve dans cette pièce? Vous les connaissez? Et si vous êtes là, c'est que vous nous avez entendus. Oui, hein. Donc si vous nous avez entendus, vous pouvez les répéter, ces prénoms. Allez, prenez mon canal. Maintenant. Quoi, P? PD. On vous a pas insulté, alors. On vous insulte pas, là. Il y a une voix d'homme qui a l'air de l'empêcher de parler, la femme. Allez, parlez-nous, Michel, si c'est bon. On va peut-être demander à l'homme de l'autoriser à nous parler. Parce que pour moi, ils sont deux. L'homme, et l'homme, c'est celui qui nous gênait en haut. Celui qui est en haut. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser parler la dame qui est dans la maison? Je sens plus le livre comme s'il tremble. Ouais, c'est en permanence. Allez, agissez sur la télé. Hein? Maintenant. Vous voulez parler ou je coupe la ghost box? Alors je vais couper la ghost box et on va voir si sur le dictaphone on a quelque chose sans la ghost box. D'accord? Je coupe la communication. On va laisser tourner le dictaphone seul parce que ça enregistre. Alors, attends, je voudrais juste faire un point. N'hésitez pas, hein. De toute façon, si vous parlez, ça va être enregistré. Hein. Tu m'entends là, David? Là, c'est au micro, je t'entends. Qu'est-ce qui se passait là en bas? Bah, tout à l'heure, on a vu comme David te l'a dit, donc une espèce de petite lumière, une petite lueur qui est passée donc, de ta gauche. Légèrement au niveau de ta tête, hein, et ça a descendu juste en face de toi, en face de ton visage. Vous avez filmé, ça a été filmé. Hein. Oui, oui. Vous pourrez couper la bande son et la bande vidéo pour qu'on voie qu'est-ce qu'on disait à ce moment-là. Oui, ça passe bien. On a de la chaleur là. Comment souffle? Ici, on a quelques petites réponses sur la Ghost Box. A priori, un petit duel avec un homme et une femme. On a eu un prénom Michel, mais pour l'instant ça ne nous dit rien. On va essayer de renouer le contact. La chaleur derrière Cyprien. Et c'est 15 degrés, sans le toucher. Hein. La température monte là, on a 15. On avait combien quand Rudy a fait les températures dans la chambre des parents? Non, mais là, à ce niveau-là, j'ai 13, 11, et si je remonte plus haut, j'ai 6. Bon, c'est peut-être la chaleur aussi entre nous deux. Non, parce que pour toi j'ai 6, là j'ai 6, là j'ai 12.
Pointe vers là-haut. Là, j'ai 6. Oui, mais on peut peut-être penser que c'est notre chaleur. Non, parce que regarde, alors, si je vise là près de toi, j'ai 6, d'accord? Je mets là, j'ai 12. Je sens que ça fait comme un souffle d'air. Sans toucher Cyprien. Tu sens comme une chaleur sur toi? Maintenant, si je te touche toi... J'ai 15. Bon, vous restez à l'affût en bas, mais bon, quand la Ghost Box est en route, je vous entends pas trop sur le talkie-walkie. Il faudrait peut-être me donner un casque s'il se branche sur le talkie-walkie là pour avoir une oreillette, mais sinon bah, vous notez de toute façon. Hein. On l'atteint, je confirme. D'accord. Après, on vous descendra les enregistrements parce qu'on a quelques petits messages, mais il y a des choses qui sont un petit peu illisibles. On va essayer de rallumer la Ghost Box. Je vais faire un silence de 2 minutes là que le dictaphone tourne tout seul. Vous avez tous les sons d'en haut? D'accord. Bon, on va essayer de rediscuter avec Michel alors. D'accord? Donc silence en bas. Hein. On va laisser 2 minutes de silence. Il est quelle heure? Vous pouvez nous donner l'heure en bas? 3h20. 3h20 du matin. Donc silence radio, 2 minutes pour voir si on a quelque chose sur le dictaphone. J'ai froid là. C'est ce que j'ai senti, la même chose, ouais. C'est pour ça que j'allais prendre froid. Le thermomètre. Vas-y, contrôle. Ouais. T'as de température. 5 degrés. Ça. Et moi, contre vous, j'ai toujours aussi chaud. Moi, j'ai chuté. Toi, t'as 12. Moi, j'ai chuté. Et toi, t'as 5 au-dessus. Moi, je sens un courant d'air froid, un changement de température sur mon côté, ouais. C'est bon signe, ça. Ce qui est étrange, c'est qu'à la fenêtre, il fait presque. Non, ça va, c'est descendu. J'ai 15 degrés à la fenêtre là-bas. Je rallume la Ghost Box. Ça s'est refroidi là, j'ai l'impression. J'invite Michel à parler. Prête. T'as entendu? Michel, est-ce que tu es là maintenant? Tu peux parler avec nous? Tu peux pas agir sur les cadeaux? Non, pas peut-être. Pardon? Savez-vous de cette technologie pour nous parler? Vous pouvez prendre la fréquence. Allez-y. Exprimez-vous, c'est l'occasion de vous prouver qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Maintenant. Allez, manifestez-vous. Après quoi? Non, pas après, maintenant. D'accord. Ah, tu vois, elle a dit oui, mais lui, il veut pas. Pourquoi tu veux pas, toi? Pourquoi lui veut pas? Pourquoi est-ce que tu veux pas la laisser parler? Est-ce que cet homme qui est dans la maison veut parler? Pardon? Oui, parle, hein?
Ah, écoutez ça. Qui es-tu alors, homme là? Tu ne suis pas là, l'homme. Comment t'appelles-tu? Et K2 réagit. Comment t'appelles-tu, homme? Ah, qui sont ces K2? C'est un homme. Salut. Allez, donne-nous ton prénom. Moi, c'est qui, mais toi? Comment t'appelles-tu? Vous pouvez en faire une réaction sur les K2, s'il vous plaît? Vous voyez la petite lumière verte là? Laissez parler Michel, si c'est Michel la femme, ou est-ce que c'est un homme? Vous avez entendu un coup là? Ouais. On entend bien là. Vas-y, demande si tu veux. Si tu veux. Est-ce que tu peux nous donner ton nom, s'il te plaît? Voilà, qu'est-ce qu'il a le lit là? On s'est déjà rencontré? C'est lui qui tape? Ça tape, hein? Vous avez entendu? C'est vous qui tapez? À taper encore une fois, alors, pour vous manifester, tapez! Moi, je voudrais m'adresser à la femme qui est dans cette maison. Je voudrais m'adresser à la femme qui est dans cette maison. Maintenant, il faut arrêter de jouer avec nous, là. On est venu de loin pour parler avec vous. Est-ce que vous voulez nous parler? Qu'est-ce qu'il y a eu? Réaction? Est-ce que vous voulez nous parler maintenant? Vous pouvez le faire. Vous faire tomber un objet dans la pièce. Je demande. Manifestez-vous, faites tomber quelque chose dans la pièce. C'est bizarre parce que j'ai eu le champ du laser qui a été varié. Allez, manifestez-vous là, dans cette pièce. On sache que vous êtes là. Ça a tapé. Ça a tapé en fait. Allez, vous faites bouger ce lit là sur lequel on se trouve là, vous pouvez le faire. Puisque vous avez déplacé une machine à laver dans la maison. Faites bouger le lit. S'il vous plaît. L'appel aussi a bougé. Allez, donnez-nous un prénom. Là, j'ai froid, vérifier la température. Hein? 5. Est-ce que Cyprien a peur et c'est pour ça que vous avez du mal à vous manifester là? Peut-être? Je répète, est-ce que Cyprien a peur? Pourquoi vous le dérangez quand il était petit dans la maison? Vous voulez me répondre? Allô? Allô? Réaction sur les cadeaux. Hein. Vous avez monté les cadeaux dans le rouge, allô?
Quoi? Hein? Con, il m'a dit? Allez, donnez-nous votre prénom. On va écouter ce que vous avez envoyé comme mot, hein. Peur, hein? Non, j'ai entendu. Il se bagarre pour nous parler. Jean. Jean. Qui est Jean? Ton grand-père? Vous êtes le grand-père assez. Attends, ouais, parce que c'est son grand-père, Jean. Son grand-père? Il est décédé, ton grand-père? Tu es le grand-père à Cyprien? Action. Jean. Allô? 1, 2. Il a connu la maison, ton grand-père, ici? Il a travaillé dedans? Financièrement? Jean, c'est vous qui avez acheté cette maison pour les parents de Cyprien? Répondez-moi. Et qui est Michel? C'est Michel féminin. Hein. Allô, Jean? Allez, Jean, si vous êtes là, manifestez-vous. Vous avez fait bouger le cadeau là, recommencez. Jean, si vous êtes vraiment le grand-père à Cyprien, vous avez un message à lui passer? Un message d'amour? Connard. Connard. Pardon? Jean, est-ce que vous êtes le grand-père à Cyprien? Si oui, répondez-moi clairement, s'il vous plaît. Je commence à avoir la chair de poule. Hein? Agissez sur le K2. K2, il a dit. K2, il a dit. Oui, sur le K2 là, qui est là sur le lit. Jean. D'esprit. Pardon? Parle à ton grand-père. Hein? Tu dis ça parce que tu as peur? Non, il n'a jamais été violent avec lui pour faire une question. Oui, mais t'as une question de violence, parce que t'as fait peur d'avoir un contact. Si c'est lui, ça fait peur. Jean, si c'est vraiment toi, agis sur le cadeau. Okay. Est-ce que je peux avoir un message d'amour là? Allez, demande-lui. Demande-lui, est-ce que c'est vraiment toi? Si oui, fais bouger les cadeaux. Il a fait bouger. Redemande. Est-ce que tu peux confirmer que c'est vraiment toi, papy, en faisant bouger les cadeaux? S'il te plaît. Il a bougé.
Il avait un souvent ton grand-père? C'est bizarre, je sens un homme qui a souffert de mal de jambes. Il a eu des problèmes aux jambes, ton grand-père, hein, quand il est là. Hein. Ouais. Parce que ça me fait mal aux jambes. Il a eu une canne à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il a eu aux jambes? C'est pas exactement, après il faut prendre la lunette et il a du mal à marcher. Par contre, j'ai de plus en plus froid. Hein? Là, j'ai froid moi aussi. Hein. T'as froid combien? Hein? Ouais. Température? Là, j'ai la tête qui tourne un peu, je sais pas bien. C'est pas bien? Tu ne veux pas du mal à. Vous ne voulez pas de mal à ce client? Si vous êtes son grand-père? Est-ce que vous êtes la raison du mal-être de Cyprien? Est-ce que c'est parce que il vous a retrouvé? Vous pouvez répondre? Est-ce que vous pouvez donner un message à Cyprien qui puisse vous reconnaître? Quelque chose qu'il connaît de vous. Je portais toujours un vêtement particulier. Est-ce que tu saurais me dire lequel? Avec quoi? Je portais un vêtement particulier. Est-ce que tu saurais me dire quel est le vêtement que tu portais souvent? Dis-le-moi s'il te plaît. Ah, t'as peur, hein. C'était quoi là? Est-ce que tu saurais nous dire qui est la femme qui est avec toi? Quel était le vêtement que vous mettiez souvent avec Cyprien? On va écouter peut-être après en bas ce qu'il y a eu comme réponse. Capache, un truc comme ça. H, cache. Ça me faisait penser à pêche, comme des vêtements de pêche. Capache, capache. Attention, ils vont écouter après en bas. Alors vous portez quoi comme vêtements avant? Je suis particulier. Vous sentez lui bouger? C'est bizarre, il y a l'impression que c'est quelqu'un qui nous suit. On n'entend plus la femme. Jean, s'il te plaît, est-ce que tu peux laisser parler la femme qui est avec toi? Lui, pas de problème. Hein? Ah, écoutez la séquence là en bas. Lui, pas de problème. Qu'est-ce qu'il a répondu? Qui est cette femme qui est avec toi? C'est ta femme? Comment elle s'appelle, ta grand-mère?
Est-ce que la femme qui est avec toi, c'est la grand-mère de Cyprien? Ta grand-mère est décédée jeune. Exact. Exact. T'as entendu? Ta grand-mère est décédée jeune. Elle chantait comment? Une fois, il a dit. Pour quelle occasion elle a pu chanter? Vous avez perdu votre femme jeune? Vous avez été veuve jeune, c'est ça? Jean? Allô? Comment s'appelait votre femme? Marie. Marie? C'est une réaction tout calée quand j'ai dit Marie. Maria peut-être. Je peux avoir le nom de la femme qui est ici, c'est Michel. Ah oui. Hein? S'il vous plaît, répondez à Cyprien, il a besoin d'une réponse. Qu'est-ce qui se passe ici? On voudrait réhabiliter la maison, il n'y arrive pas. Pourquoi? Jean, si vous avez payé cette maison à ses parents, pourquoi? C'est en quelque sorte qu'il protège cette maison. Merci. Vas-y, parle. Il y a quelque chose de néfaste avec toi? Quelqu'un de néfaste qui sera avec toi ici dans cette maison? Normalement les esprits sont pas négatifs, ils sont pas méchants. Ils sont plutôt des démons, des inquiétudes. C'est une réaction? Réaction. Vas-y, parle. Parle comme si tu parlais à ton grand-père, parce qu'à priori il nous dit que c'est Jean. Il a peut-être envie de te parler. Jean, s'il te plaît. Est-ce que tu aurais quelque chose de particulier à nous dire? Sers-toi de tout ce qu'il y a à ta disposition pour me le dire alors. Avant. 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 Bien sûr. Avant ou maintenant? Ça marche en avant. Avant quoi, Jean? Attends, parce qu'on a une réaction avec Cyprien, j'aimerais bien que... Je passe mon canal à Cyprien. Cyprien. Demande avant quoi? Ça tape, hein. C'est pas vous? On va venir en haut de toute façon, hein. Je sais que tu es là, l'homme en tout cas de la maison. Tu es là-haut? Descends! Si on vient te voir en haut, est-ce que tu vas nous parler correctement? C'est incroyable, c'est bien de te prendre de tous les côtés à l'intérieur de toi. Regarde, réaction! Moi je sens un froid là qui vient, mais c'est bon signe. Hein. Faut persévérer là. Bon, maintenant, moi je vous remercie déjà du premier message, mais je veux en savoir plus. Pourquoi Cyprien doit rester dans le doute là? Qui c'est qui tape là? Allô? Allô? Allez, tapez trois coups. Maintenant, jouez pas avec nous. S'il vous plaît. Papy, si c'est toi, frappe trois coups. Tu trembles là, hein, faut pas bien. Je suis en train de...
Je le sens, hein. J'ai tout le bras qui tremble quand... On va réécouter ce qu'on a eu dans les enregistrements. Jean, c'est vous qui êtes au grenier aussi? Je répète, Jean, est-ce que c'est vous qui êtes au grenier? Allez, manifestez-vous, Jean. J'ai entendu voir. Oui. Donc un chien dans la pièce, il y a un chien. C'est quoi le nom du chien qui est avec toi? Mais il y a un aboiement de chien. Oh. Tu as ton chien avec toi? Oui, mais il a eu même dans la grosse bosse. C'est un chien avec vous, Jean. Quel est le nom du chien qui est avec toi? Ben. 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 T'as un chien. On a un chien. On a entendu un chien. Température, parce que moi j'ai froid là, je suis frigorifié là. Alors qu'on est nombreux dans la pièce et ça devrait être plus chaud, hein. Je suis à combien là? Moi je vois un homme qui a des grandes douleurs dans les jambes et c'est bizarre parce que j'ai comme une tenue militaire devant moi. Un treillis, comme quelque chose un peu officiel comme ça. Il était en uniforme, hein, ton grand-père. Oui, je vois une tenue militaire officielle. Donc, il avait quoi? Il avait un uniforme de pompier. C'est ça, tout le temps? Donc, il était toujours habillé en pompier? Pas toujours, mais juste volontaire. Donc, c'est ça la tenue qu'il avait tout le temps? Papy. Papy, il a dit. Il est là, hein? Ouais. C'est ton grand-père qui est là, hein? Et je le vois habillé en uniforme. Pourquoi l'uniforme? Vous voulez que Cyprien fasse ce métier? Réaction. Et je l'ai été. Et pourquoi t'as arrêté? T'as pu continuer. Pourquoi? Problème de santé. Tu es déçu parce qu'il n'a pas continué ton métier? Est-ce que tu es déçu parce que j'ai pas pu continuer? Voilà, il a dit. Tu m'en veux? Je le vois devant moi. Hein. Et tu portes toujours son uniforme, il voulait que tu fasses ce métier-là. C'était une promesse que tu lui as fait. Et il est pas mécontent qu'il l'ait pas fait, mais il y a quelque chose qui est quand même étrange, quoi, là. Jean? Il n'a pas pu faire ce métier à cause de problèmes de santé. Tu comprends? Il a envie de vomir là, le gamin. Cyprien. Il est pas bien. Ça tape, hein? On va faire une pause, on va revenir au grenier. Merci pour ce contact. Vous reviendrez nous Merci, voir après. C'est froid, hein. D'accord. Merci. À tout à l'heure. Je coupe la communication. Ah ouais. Faut le là, il y a des bons trucs quand même. Bon, pour moi, c'est ton grand-père qui est là.
parce qu'à chaque fois qu'on a posé des questions, le cadeau, c'est... On va peut-être prendre le ressenti de Cyprien, de suite, parce qu'il n'est pas bien. Je peux pas juste prendre l'air juste 5 minutes avant. Je sais pas, moi, tu te sens si mal que ça que tu veux... Voilà, je vais lâcher une galette, je crois. Tu vas quoi? Je vais lâcher une galette, là. Une galette? Ça veut dire quoi, lâcher une galette? Merci à son grand-père, en tout cas, on revient. On va laisser tourner tout, le dispositif. On laisse tout en place. On laisse tout en place. Dictaphone en place. Je vais peut-être couper le dictaphone pour le descendre en bas. Mais de toute façon, ils ont les sons en bas. On laisse tourner pour l'instant. Allez, on revient après. Merci, Jean. Contact, on va réaliser tout ça. Ouais, il y a des. C'est fou quoi. J'ai plus mal au dos parce que ça commence à. Il est mal à l'aise parce que. C'est marrant, il m'a apparu son grand-père. Ah bon? Ouais. Et lui, il avait fait la promesse à son grand-père qu'il allait être pompier. Et comme il n'a pas pu le faire, son grand-père est un pompier de carrière. Ah, de carrière? Là, il nous fait 5 ans, on va aller le réconforter. Il ne va pas pouvoir faire notre expérience. On va c'est là-haut, là. Attends, peut-être je vais prendre le dictaphone, je vais leur descendre. Ouais. On va transformer comme s'il le vide et nous, on le reprend. Je ne sais pas si on fait un petit truc ici. Ouais, je pense que de toute façon, s'il y a un contact, non, mais il n'y a pas de problème, on va aller au bon. De toute façon, c'est déjà qui c'est. Hein. Oui, c'est bon, bon. Camille David t'as beaucoup filmé. David, tiens, prends-le, télécharge dessus, il est en roulant. Donne l'heure. Incroyable. Mon grand-père. C'est bon, je peux arrêter là.